vraiment resté. Et tu ne supportais pas un peu superficiel de qu'est-ce que tu fous là-bas. Merci. Je m'appelle Micha, Fopo Adja. Super, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous fait de venir vivre le concert là de Singila? Qu'est-ce que vous vous sentez comment? Venez vivre. Bon, moi, je suis triste. Oui. Je suis excitée. Je ne sais pas vraiment comment je vais. Je vais être face à Singila. Les VIP vont filmer seulement. Filmer seulement les VIP. Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi si vous filmez seulement les VIP? Filmez VIP seulement. Regardez là-bas, vous filmez. On est là depuis 16h. On va entrer. On est là depuis 16h. Voilà qui est une chance.
de participer au prochain Fort Boyard. À tout à l'heure. We'll be right back.
Choose
Avec moi, s'il vous plaît. Ça encourage pour la suite. C'est bon. Alors les prochaines dates locaux? Alors les prochaines dates pour l'instant, on ne peut pas les communiquer. On est en train de travailler sur la deuxième partie de l'album, mais pour l'instant, on fait la promotion de Cloud 9. Allez écouter Cloud 9, cet album, c'est masterpiece. Merci. Bonjour mon frère, je veux l'argent. J'ai ici un TPE, si tu as une carte de crédit, tu chouques là. Tu mets le code, l'argent arrive directement dans mon compte. Et si le mendiant sent que tu es embarrassé, lui-même, il sort 10 dollars de l'homme. Mon frère, voici 10 dollars, ça va t'aider. Mais ce qui est surtout impressionnant au Rwanda, c'est que les Rwandaises sont trop belles. Elles sont tellement belles avec leurs vrais cheveux. Oui, oui, mesdames. Elles ont leurs vrais cheveux crépus. Ah ouais. Au Rwanda, si tu vois une fille avec la greffe, c'est une Camerounaise. Plus précisément, une fille de Douala.
la grève elle-même. C'est que quand tu as envie de caresser ta copine, hein, quand tu envoies ta main dans ses cheveux, tu croises les liens de ta jambe. Non mais parfois, il y a les nerveux bigoudis qui vont te blesser. Et ce qui est intéressant avant les grèves, c'est quand une Camerounaise doit se gratter la tête en plein jour. Ça, c'est un spectacle. Elle fait comme ça là. Et parfois, elle marche avec le piquet du porc et puis elle fait ça. Pour revenir aux Rwandaises qui sont super belles avec leurs vrais cheveux, la jalousie provoque les capacités des filles. Je m'en fous. Les Rwandaises sont belles avec leurs vrais cheveux. Mais le problème au Rwanda, c'est la dot. La dot d'une Rwandaise est beaucoup plus chère que 4 filles bassins et 12 filles noires. La dot est proportionnelle au niveau des tuiles de la fille. Et si la fille travaille, mon gars, tu vas vendre un noyau, un rhum et ton poumon. Parce que une Rwandaise normale à minimum, pas plus 12. On demande ça, voilà. En fait, cher public, ce soir, si je vous parle du Rwanda, c'est parce que j'aimerais que tous ensemble, nous rendions hommage à ce pays. On sait par où ils sont passés, le génocide 94, et on sait où ils sont aujourd'hui. Et je voudrais ce soir que toute l'Afrique, à travers vous et moi, rendions hommage au Rwanda. Je vais compter jusqu'à 3. Et on va dire tous ensemble, viva Rwanda. Pour dire merci au peuple rwandais d'avoir fait plaisir à l'Afrique. Il a osé dire que le public à Abidjan est plus chaud qu'à Douala. Est-ce que ça, c'est pas le manque de respect? On va montrer à ces gars ce que c'est le respect. Alors, je vais vous demander de faire un bruit de malade qui va arriver à Abidjan ce soir même. Alors, public de Douala, est-ce que vous êtes le public le plus chaud d'Afrique? Pardon.
Yo. Oui, je suis pas de fille là.
Voilà, tu me dis très bien. L'un des meilleurs athlètes que j'ai apprécié. Un homme est pour lui. Merci. Et comme moi. C'est vert. Franchement, on ne peut
On a Loco et Sigila. Est-ce que Loco, tu es chaud, papa? Le canal à moi. Loco, tu es chaud, tu es chaud. Loco, Sigila. Est-ce que vous voulez un dieu inédit, Loco, Sigila? Allez, vas-y, ouais. Votre impression. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la prestation de Singila? J'ai aimé lorsqu'il a dansé et lorsqu'il a arrivé là, je me suis dit que votre impression, vous avez de tout. Très bien, je suis pas déçue. Le voir aujourd'hui et danser une chanson qu'on ne suit plus par tout. D'accord. Allez, merci beaucoup, à très bientôt. Je m'appelle Yehudi, je suis étudiante à Douala, à lycée. D'accord. Vous êtes fan de Singila? Oui, j'adore Singila. Je vous dis, je suis fan de Singila. Je suis fan de Singila. Qu'est-ce que vous aimez dans les chansons de Singila? Il parle d'amour et puis il est bien formé les mots. Donc, je l'aime lui et j'aime ses messages. D'accord. Et dans ces chansons, qu'est-ce que vous retenez comme message le plus souvent? Que les gens ne sont pas toujours fidèles. Je retiens dans ces musiques, formuler une phrase. Ce que je retiens dans ces musiques, c'est que les hommes ne sont pas toujours fidèles, mais qui savent aimer, qui savent se rattraper. Alors, quelles sont ces chansons que vous adorez? J'adore Misérable et Au Seigneur. Parmi ces chansons? Parmi ces chansons, j'adore Misérable, j'aime Au Seigneur et La femme de quelqu'un, toutes ces chansons. Vous préférez chanter avec quelqu'un qui est parmi vous? Je préfère vraiment Misérable. Allons-y, allez un peu voir. Le Misérable, je suis formidable. Non, je vais tout faire. Alors, si vous êtes devant Singila, que direz-vous? Je suis fan de toi, beaucoup de toi, Singila, toute l'Afrique t'accompagne et vive l'Afrique. Merci, à très bientôt. Merci aussi.